directeur de la naissance CAFCLOB. Je suis venu accompagner lors de la naissance A. Voilà, à partir de là, je suis venu faire un coup de main avec ma Kélia. Bon, le match à lui-même, je pense qu'on a été beaucoup plus présent en première mi-temps où on a certainement dominé le sujet, on s'est créé des occasions. On n'a pas été réaliste. En deuxième mi-temps, c'est vrai, on était là jusqu'au moment où j'ai envie de revoir les images sur le penalty sifflé. Je ne suis pas en train de dire un penalty ou pas. Je n'ai pas compris. Si je voyais les images, je voulais en parler. Peut-être que ce penalty a changé un peu les données. Voilà, on a réagi, on s'est créé une autre occasion où on dit ça donne encore une face au gardien, au lieu de mettre au fond de filet. L'adversaire a profité peut-être de notre enseignement, de bloc un peu plus haut pour creuser un peu l'espace sur le compte. Deux autres buts sont venus. Bon, dans l'ensemble, je pourrais te féliciter cette équipe jeune du Gamba qui a peut-être su résister et réagir, profiter pour mettre au moins quelque chose. Nous, on s'est créé, on n'a pas réalisé et ça paye comme ça. Voilà. En fait, Ismaël n'a pas été trop agressif par rapport à Dibril qui a remplacé, qui va beaucoup plus en profondeur. On avait besoin de la profondeur et je pense qu'on en a eu, on s'est créé une occasion. Mais le drame, si tu as une occasion, deux, trois, tu ne mets pas au fond, je pense que c'est impossible de gagner le match. Le changement était un peu dû à ça. Et que les deux qu'on a enlevés, vous avez vu défensivement à un moment donné, Mohamed Kondé ne participait pas. Mais malheureusement, celui qui est venu aussi est resté un peu dans son coin. Bon, vous savez, la transition, un peu, je le disais au départ, le club, moi je suis venu mettre un coup de main. Et quand tu fais un coup de main, tu es obligé de mettre un schéma tactique. Et dans le schéma, en 10 jours, c'est difficile que les joueurs s'adaptent, qu'ils transitent, qu'ils comprennent. D'ailleurs, on a eu beaucoup de difficultés d'intégrer, mais quand même, ils ont pu être. Surtout au départ, bien le terrain, parce qu'on a insisté. Et après, quand ils ont voulu se relancer, jouer, parce qu'ils ont encaissé, ils sont un peu sortis du cadre. Ça a un peu dénaturé le jeu de l'équipe. Merci, coach, et tous nos encouragements. C'est mal, mais comme c'est la CAF qui est organisatrice de sa compétition, je pense pas que si on avait une fédération peut-être où on était bien représenté à la CAF, je pense que c'était de nous demander si on pouvait recevoir dans un pays voisin. C'est pas de nous priver de notre match retour. C'est vraiment une mauvaise chose, mais la CAF est organisatrice, on est obligé de s'adapter. D'ailleurs, tout ça, ça nous a un peu déstabilisé à deuxième mi-temps parce qu'on voulait à tout prix gagner. Mais si on savait qu'il y avait un match retour, on fermait le jeu, on perdait le match. Bon, moi, je pense que c'est une très mauvaise chose, c'est un peu difficile, mais on ne peut rien. Voilà. Merci, coach.